Bon, 92%. Hey yo! Tintin! Mayonakidis! On est avec. Ouh! Là, c'est important. Ok, Luther, enfin il est proche. Avant, il était neutre. Enfin, on a réussi à le faire proche. Il est derrière? Beau gosse. Et Alice, elle a l'air de bien l'aimer, donc c'est plutôt cool. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. À cause de Marcus, Kara, elle va pas réussir à s'enfuir. T'imagines à cause de Kara. À cause de Marcus? T'imagines que à cause de Marcus, Kara, elle arrive pas à s'enfuir. On peut pas parler à Luther. Bon, on est obligé d'aller lever la radio, c'est ça? Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Huh. C'est moi ou elle tenait pas le volant? Ah merde. Ouais, attendez 2 secondes. Ok, c'est bon. Oh! Vous allez à Jéricho, vous? Sérieusement? Je savais pas que vous alliez à Jéricho. Tout le monde va à Jéricho, en fait. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jéricho. Quand vous y serez, trouvez Marcus. Il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Bon, on a été prudents sur eux. Tu mérites d'être heureuse. Mais finalement, ils ont été vraiment, surtout elle. Merci pour tout, Rose. Ouais, super sympa. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Du coup, moi qui demandais au début si tous ils allaient un jour rencontrer nos 3 androïdes. Et ben ouais, apparemment. Marcus et Connor, c'est. Non. Prends soin d'elle. Allez, Kara vite. et. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre. Comment il la porte? Ok, ça marche. Du coup, Marcus aussi, il veut se barrer en. Ils veulent se barrer aussi au Canada ou pas? J'ai pas l'impression, eux, j'ai l'impression qu'ils veulent. What? Et Connor! Il est. Wesh! Il est stylé comme as! Quoi? Lui aussi va à Jéricho. Ils vont tous à Jéricho. Ça va être le bordel.
Ah, c'est ça, Jéricho, en fait. Ah, je marche plus vite que Alice et Luther. Ok, la rencontre entre Kara et Marcus. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Wesh, on est tellement... Putain, quand je pense qu'à un moment, on était genre 5-6. Est-ce qu'on va voir Marcus? On doit trouver un endroit où se mettre au chaud pour Alice. Extrêmement préoccupante. C'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On les a mis des pilons dessus et on l'a fait cramer. Il a laissé dire que ce connard surveillait mes gamins. Mais ils ont foncé sur le volet. Le feu, le feu. Ah non, pas le feu. Ici, là. Oh, RA9. Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. On partira dès qu'on aura des passeports. Kara. Il faut que je te dise quelque chose. Alors là, Kara, écoute-moi bien. Ça fait 3 fois que tu lui mets un vent. Ah putain. T'as pas intérêt à lui en remettre un troisième? Parce qu'il a un truc à te dire. Donc. Chose, c'est à propos d'Alice. Elle va lui dire j'ai pas le temps. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Le troisième banc pour Luther. Et le troisième vent pour Luther. Trouver le leader des viands. Putain, on joue les deux. Oh là là, on joue les deux. Oh non, c'est horrible. On va voir qui est le premier qui va tomber sur... Yakara. Je vais aller voir Alice. Ah, je peux plus, allez, bâtard! Ah, si, je peux. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. C'est horrible, c'est horrible. Les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Oh, c'est Lucie. Tu te cherches toi-même. On rejoue Kara. Oh là là, c'est incroyable. C'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On lui a vidé le bidon dessus et on l'a fait cramer. Punaise. C'est vraiment qui va le en premier trouver Marcus, quoi. Sartek, les cheveux bleus. Oh, c'est pas la prostituée. Moi, je veux me battre. On ne peut pas les laisser nous massacrer. Il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible. Oh, j'ai trouvé Marcus en premier avec Kara. Yes. Oh, Marcus, c'est toi, Marcus. Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe.
Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Cool. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges ? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. C'est Connor ? C'est Connor, ça, ou pas ? Ah non. Pas envie de lire ça, me bon, je sais pas si à chaque fois lire ça sert à rien. Faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester les bras croisés. Le petit entier se retrouve en état de paralysie. Ah merde. Ah merde, le truc jaune c'était le livre, putain, je suis con. Oui oui, mais je sens plus aller, elle est là-haut. Oui, bon, du coup on peut aller lire un peu. Holy shit! C'est ça que Luther il voulait nous dire depuis le début? Moi, j'ai jamais... Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Oh boy, Jésus! Vache. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oublier ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Thank you.
pas du tout. On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Mais je l'aime bien. Pour toujours. Je l'aime bien, Alice, mais je comprends juste pourquoi pas elle nous a menti. Mais c'est pas parce que c'est une androïde que je l'aime pas. T'es fou, toi, quoi. Là, il faut que j'aille voir les pourcentages quand même. Combien de gens ont été d'histoire avec Alice? Y'a personne. Putain, on va repasser sur quoi? Du coup, maintenant, dès qu'on joue un perso, on est à Jericho. Ah, on joue Marcus? On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais... C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? On doit les affronter. On n'a pas le choix. Je fais ça juste pour Norse, hein, je vous préviens. Moi, je voulais pas les affronter. Hein. Jamais j'aurais voulu, mais à chaque fois que je les affronte, c'est pour augmenter avec Norse. Hein. C'est de la folie. Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On va libérer des trois. Tu fais une grave erreur, Marcus. Le sang n'achètera pas notre liberté. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence s'est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Oh!
mes choix de merde ont payé finalement. Non! Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. Oh, pas Jésus, non! On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Raisonner, défier, décourager, menacer. Mais là, je joue avec qui? Je joue avec Marcus. Oui, tu peux me tuer. Mais ça ne changera rien. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Notre peuple se réveille en... Connor, écoute-moi bien. Si tu tues Marcus... Marchette, Alambécane, je vais te niquer ta mère. Et rien ne peut plus nous arrêter. Tu viens avec moi. Putain, je joue un peu des deux. Je te connais, convaincre, implorer. Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux... Ah, j'hésite très en carré. Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Non, j'aurais pas dû dire ça. Ne rien dire assez... Non, non, toi tu vas rien faire. Et je vais te faire douter. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Parce que tu es vivant. En fait là, c'est chacun choisit son camp. Hein. Moi je suis clairement camp Marcus. Hein. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être libre. Ah ouais, j'aimerais trop le rallier. Moi je veux le rallier de ouf. Mais j'ai peur qu'ils disent non si je le demande de rallier tout de suite. Est-ce que je lui sème le doute un peu? Ou est-ce que je le remets en cause? Non, je vais le rallier. J'espère que ça va passer. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Rester une machine où on peut devenir déviant. Et là, qu'est-ce que je vais faire, papa? J'ai réussi à le débloquer. Ce que je voulais depuis le début, Connor. Boum. Ah, arrêtez Marcus. Du coup, je vais... Je l'arrête pas là, on est d'accord, hein. Voilà, j'enlève le truc d'arrêter Marcus. Je n'arrêterai pas Marcus. Je vais devenir un déviant. Et Amanda, je m'en balèque de toi. Allez, cassez-vous tous. J'ai trop bien géré. Yes, papa. Yes! Amanda trahi, bas les couilles! Ils vont attaquer Jericho. Quoi? Nous devons partir d'ici. Merde. Ok, je me calme un peu.
Allez, let's go. J'ai pas intérêt à rater les QTE. Ah putain, on a enfin nos trois qui sont déviants. Allez. Qu'est-ce qui se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Bien joué. Yes. Putain, mais ils ont quand même trouvé Jericho à cause de Connor. Donc j'aurais peut-être pas dû localiser Jericho. Mais si j'aurais pas localisé Jericho, peut-être que le FBI aurait localisé Jericho et Connor serait pas devenu déviant. Parce qu'en devenant déviant, on leur a dit qu'il fallait s'enfuir. Donc je sais pas. En tout cas, j'espère que là que j'ai pas le... J'ai pas mes personnages qui sont 100% d'être morts, j'espère que... J'espère que je peux m'en... S'enfuir de Jericho, suivre Luther. Wesh, où tu vas? Putain, c'est tout noir, je vois rien, sa mère la... Par ici. Plus Luther, tu m'aides. Continue. À droite. Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus. On ne peut rien faire d'autre. C'est pas... On a été séparés. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir. Tu n'y arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es. Ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres. Je vous rejoindrai plus tard. Marcus... Je n'en ai pas pour longtemps. C'est incroyable. La fin est incroyable. La fin est incroyable. Je kiffe là. Je kiffe mais j'ai peur. Putain, je veux pas en perdre un. Surtout pas Marcus. Oh, c'est Lucie. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Putain, Lucie, elle est morte. Ok, donc objectif c'est de faire exploser Jericho. Putain, il me cherche en plus. Bon là, je vais te voir. Attendez. C'est trop tard, Kara. Sauve-toi. Sauve Alice. Non, on va pas t'abandonner comme ça. Hein, Kara?